Michael, l'émission sans interdit, tous les soirs 21h minuit, et quand tu veux, en podcast sur énergie.fr. Bon, chérie, je t'ai fait cocu maintenant, en attendant qu'ils terminent leur sucette aux insectes, avec Marjorie, qui appelle d'Ariège, donc on va faire un petit chérie, je t'ai fait cocu à ton mec qui s'appelle Jean-Baptiste, avec lui depuis 5 mois, et qu'est-ce que, ça va être quoi l'histoire, Marjorie? Ah, ça y est, j'ai touché le scorpion! Attends une seconde, Marjo. Tu t'es fait mal? Alors quoi? Bah, ça gratte. Attends un peu. Ça gratte sur la langue? Bon, attendez qu'on termine le chéri, je t'ai fait cocu d'abord, on terminera Tu vas le manger? Vas-y, le manger, lèche roux. Non, mais croque-le pour voir son corps à l'intérieur. Mais je peux pas croquer encore après. Quelle horreur. Quelle horreur. Bon, Marjo, on va le faire maintenant, le chéri, je t'ai fait cocu. Donc, ça va être quoi l'histoire? Que c'est pas un bon coup. D'accord, bah ça va lui faire plaisir, effectivement. Et quoi d'autre? Et que je voudrais faire un plan à trois avec lui. Pour rattraper le mauvais coup, quoi. D'accord, ok. Et donc, je suis le troisième, quoi. Exact. Tu es d'accord. La troisième roue. Et comment tu es censé... Enfin, je suis qui? Vous êtes Michel, hein? Oui, non, j'entends bien, mais enfin, c'est par rapport à toi, je suis censé être un mec que tu as rencontré comme ça dans un bar, dans la rue. Voilà, une simple connaissance. On se connaît pas, on est juste là pour un plan cul. Non, je crois que Marjorie croit que t'es Micha. Non, Michel. Ah, Michel. Ouais. Michel, mais avec l'accent de là-bas. Ouais, ouais. Elle comprend encore moins. La prends pas pour une tête. Bon, écoute, on va y aller. Bien sûr, tu es chez moi. C'est normal, t'as déjà testé le matériel avant de lui proposer, hein. Exact. Ce qui est logique. Ouais. Bon, allez, c'est parti, on y va. Bonne chance, Marjo. Merci. Et puis bah au plus il s'énerve, au plus il repart avec des cadeaux, hein. Ok. Ok. Allez, bonne chance, c'est parti, on y va, on l'appelle. Merci. Et pendant ce temps-là, le roux mange sa petite sucette à la fourmi. Allez roux. Eh ben là complètement en bouche, complètement. Mais c'est bizarre parce que le scorpion reste tout dur, quoi. Oui. Allô? Jean-Baptiste? Allez, Jean-Baptiste. Marjo? Oui. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ouais. Je t'appelle parce qu'il faut que je te dise un truc. Ouais, vas-y. Je trouve que t'es un mauvais coup. Ah, trop sec, trop violent. Ouais. C'est mort. Tu rigoles? Non, je rigole pas, écoute-moi. Tu m'appelles pour me dire ça? Oui. Ah, tu pouvais pas venir me voir et qu'on en discute? Non. Non, mais tu plais là, c'est pas possible. Non, mais attends, parce que là, si tu veux, je suis avec quelqu'un. Et franchement, c'est un trop bon coup. Et je voudrais bien que tu testes avec nous deux. Bah, j'ai pas compris. Tu peux redire là, qu'est-ce que tu dis? Si, en gros, si tu veux, on peut faire un plan à trois. Un plan à trois? Ben oui. Mais si je suis un mauvais coup, pourquoi tu veux faire un plan à trois? Ben pour voir si t'es plus performant. Plus performant que qui? Ben que Michel. Enfin, Michel, c'est qui Michel? Eh ben c'est... Je suis avec lui là, en ce moment. Ben, tu me proposes un plan à trois et t'es avec toi Michel là? Eh ben oui, je voudrais que tu viennes là. C'est quoi ce vieux nom, Michel, là? Il sort d'où, lui? Eh ben, quoi, ce vieux nom? Il a 40 ans. Oh non, 40 ans? J'ai pas fait un tour, ouais, de 40 ça va. Ans. C'est quoi ce vieux, là? C'est fou de moi. Tu te barres, tu vas avoir un vieux là de 40 ans. Bon, Marjorie, il a accepté ou pas alors, le petit? Ouais, attends, mais l'autre, il en rajoute en plus par derrière, hein? Bon, bah, très bien alors, hein, faudra qu'on. Oh, bah, dis-lui qu'on peut se voir quand il veut, hein. Non, mais il plaisante ou quoi, là? Attends, mais. Eh, va, passe-le-moi, l'autre, là. Passe-le-moi, toi, Michel. On va en parler avec lui. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut me parler directement? Ah, mais tu te crois pour qui? Ouais. T'appelles, là, tu tapes ma meuf et après tu me proposes des plans. Allô? Ouais. Bonsoir, c'est qui? Attends, mais c'est qui? C'est Michel, là? Il y a quelqu'un d'autre? Non, c'est Michel. Attends, et toi, c'est qui? Ah, toi, t'es Jean-Baptiste, le copain de Marjorie? Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, t'es qui, toi? Bah, moi, je suis Michel. Et d'où tu la connais? Bah ça elle t'expliquera, on s'est rencontrés, puis bon elle m'a parlé un peu de vos ébats sexuels qui se passaient pas très très bien apparemment. Donc bon. Attends, voilà. T'es qui pour dire ça toi, sérieux? Ah bah, tu prends pour un con ou quoi? Ah bah c'est non quoi, mais Eh Jean-Baptiste, c'est quoi ce vieux nom? Quoi Jean-Baptiste, tu t'as entendu Michel ou quoi là? Ah bah oui mais bon moi j'ai pas un nom composé hein, ça fait un peu blaire quand même. Attends, hein. Arrête, reste gentil toi. Ah bah attends mais je suis gentil, c'est pas ça, tu vois tout de suite tu t'énerves. Ouais, fais attention à toi. Écoute Jean-Baptiste, moi je veux pas m'énerver avec toi, nous on est amis, ouais, hein, tu vois. Connais pas, alors fais attention, ouais, tu mais connais non, mais pas, justement toi. Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il y a un moment moi je rencontre Marjorie, elle me dit voilà, tu sais, on sympathise et tout, bon moi je la chauffe un peu, je savais pas qu'elle était casée. Et puis, elle me dit, je suis casé. Pervers, quoi, mais non, elle a 19 ans, j'en ai 40. Attends,
Ouais, c'est pas très grave. Marié, non, non, t'es non, pas marié. Non, non, je suis pas marié. C'est un truc avec ta femme, non? Ben non, bon, Jean-Baptiste. T'as pas et donc... une fille, hein, t'as pas une fille comme ça, c'est un truc avec ta ah fille. Ah non, j'ai pas de fille, non, j'ai pas de fille, je suis pas marié. Hein. C'est pour ça que ça, je me permets de parfois choper quelques petites jeunes. T'as dépucelé, c'est ça, voilà. Ah non, non, elle m'a pas dépucelé, non. Bon, eh, Jean-Baptiste, ne t'énerve pas, donc en gros, elle m'a dit tout simplement que... Ben si tu t'énerves, tu vois, t'es en train de parler en t'énervant, là. Donc elle m'a dit, voilà, mon copain, je l'aime beaucoup, il est super et tout, mais au lit, ça se passe pas très bien. Est-ce que tu peux venir nous aider? Moi, j'ai dit, évidemment, pas de problème. Ouais, ça m'étonnerait qu'elle passe comme moi, là, attends. C'est hallucinant. Bon, attends une seconde. Oh, oh, Marjorie! Bon, eh, il me croit pas, qu'est-ce qu'on va faire avec celui-là, alors? On continue à deux ou quoi? Ouais, on continue à deux, mais bon, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un Michel, là, il se prend pour qui? Il me prend de haut, il arrive comme ça, il croit que ça y est, il claque des doigts, il... Il ne le prend pas mal. Non, mais toi aussi, qu'est-ce que tu fais, là? Tu me prends pour un bouffon, tu vas te faire sauter par un mec de 40 ans, et après, tu viens me voir, et tu me proposes un plat à trois, c'est quoi, cette histoire? Dis-lui que je suis, j'ai pas de problème si on peut demain ou après-demain, hein, y a aucun souci, hein. Ouais, sinon, ce soir, non? Ça te dit pas qu'on se voit tous les deux ce soir, mais rien que tous les deux, tête à tête. Qu'est-ce qu'il dit? Il est ok ou pas? Ouais, ouais, tous les deux, tête à tête. Oui, quoi. Il est ok. Ah bah super. Ouais, ouais, il est ok, ouais. Mais que tous les deux, ouais, moi je veux pas te voir à toi. D'ailleurs, je veux plus te voir. Hein. Ah, dis-lui que les plans homosexuels, ouais. Ça m'intéresse pas, hein. Ouais, mais va voir ce qu'il va lui faire, l'homosexuel. Bah, ça va lui faire bizarre. Ce qu'on peut faire, s'il veut pas, Marjorie, c'est oui. Que moi, je te montre ce que tu dois lui faire ce soir. Demain, tu lui fais, on se revoit après-demain pour voir si ça a été. Ben ouais. Non mais c'est quoi c'est... Ben non mais sérieux, tu te fous de ma gueule là, c'est pas possible. Attends, le gars il est derrière là, en train de dire des conneries là. Jean-Baptiste, tu comprends que moi je signe là en ce moment. Bon, Marjorie, ouais. Si ça te dérange pas, je commence, je me masturbe, hein. Ok. Ah. Jean-Baptiste. Merde, il a un double appel. Allô? Allô? Jean-Baptiste? Oui. Qu'est-ce qu'il fait là, il se branle là, sérieux, qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, laisse-le faire, il se prépare. Pourquoi tu veux pas venir? Parce que tu prends pour un bouffon, je commence, hein. Je vais arriver avec un espèce de vieux qui va être en train de te niquer, je vais vous regarder et je vais me taper la queue, c'est ça? Bon, mais ça va, Non, mais sérieux, c'est pas possible, là, écoute, là, qu'est-ce qu'il fait, là? C'est pas possible, attends, j'y crois pas, non, attends. Marjorie! Oh, il prend pour un bouffon. Est-ce que tu peux enlever le haut, là? C'est parce que c'est un peu de mal à monter, là. Je suis à quoi? T'es chez lui, là? Oui, oui. Il habite tout lui, j'arrive là, moi j'arrive, tout de suite. Hein. Il va pas se brailler longtemps parce que moi j'ai dû couper sa queue. À fort. Bon, enlève le haut là, Marjorie là. Tu fais ce que tu veux de ta vie, mais qu'il me nargue comme ça au téléphone, moi non, moi on fait pas ça moi. Bon, ça va mais pas, non, mais... hein. Moi je suis pas un bouffon moi. Bon, repasse-le moi, Marjorie là, c'est un peu de mal. Allô? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu t'appelles la queue en parlant ou quoi? Ça t'excite, t'es sûr que t'es pas pédé? Oh, JB! Oh, qu'est-ce que tu veux toi? Bon, ne t'énerve pas, hein. Moi je suis là pour rendre service, hein. T'es en train de te brailler derrière ma femme, il faut pas que je m'énerve. Bah, j'ai essayé, mais c'est pas ta femme, vous êtes pas mariés, que je sache. Quoi, on est pas mariés, c'est ma copine, quoi, c'est pareil. Ouais, voilà, c'était une copine. Ouais, voilà, ouais. Bon, vous êtes pas mariés. Toi, tu crois que ça y est, ça te dérange pas? Tu sautes les copines des autres, là, t'as 40 ans, tu sautes une jette de 19 ans, voilà. Oh, j'ai pas 40 ans, hein, j'ai 39. Presque 40. Mais ouais, bon. T'es d'où, toi? T'es d'où déjà? Bah, je suis de pas loin. Pas loin, c'est où, pas loin? Voilà, écoute, je préfère pas te le dire, elle te le dira si elle veut plus. Moi, je veux pas dire où il habite, hein, mais c'est pas ça, moi, après, elle m'a dit, voilà, dis rien, moi, je dis rien, hein, moi, j'écoute les filles. Je veux rien dire parce qu'il y a peut-être ta femme derrière aussi. Hein. Ah non, j'ai pas de femme, c'est ce que je t'ai déjà dit. Hein. Ouais, après, tu dis ce que tu veux. Bon, écoute, Jean-Baptiste, moi, je vais te rendre service. Ce soir, je me la tape. Demain, je te la rends. Et normalement, ça devrait aller mieux chez vous. Je lui expliquerai ce qu'il faut faire. Avant que tu te la tapes, c'est moi qui viens te taper. Ça te propose pas ça? Ah non, mais moi, je vais pas la taper. Hein. Je vais me la taper. Ouais, mais là, c'est un petit mot comme ça qui change. Et finalement, il y a quand même beaucoup qui change. Mais ferme ta gueule, espèce de gros con. Tu crois que tu vas me faire la morale au téléphone alors que tu sais ma meuf, toi? Bah, moi, j'y peux rien, c'était un mauvais coup. Quoi, t'es un mauvais coup? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je vienne te voir si je suis un mauvais coup? Tu vas voir, je vais t'attirer. Oui, tu vas être un bon coup à me taper dessus, mais ça n'empêchera pas que tu seras un mauvais coup au lit. Hein. Mais déjà, ça sera déjà pas mal, ça sera bizarre. Ouais. Non, mais t'es mauvais, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es mauvais. Ah, il est parti. Hein. Eh, il a fallu le temps avant qu'il s'énerve vraiment. Enfin, avant qu'il raccroche. Hein. C'est comique parce que à un moment t'as pris son accent, puis tu l'as rendu. Je sais. J'ai un peu de mal avec l'accent. Je suis du Palouin. Bon, on rappelle. Ok. Allez, dis-lui, mais pourquoi tu t'énerves? J'essaie de te rendre service. Alors, est-ce que tu deviennes bon, etc. Les Ariégeois sont très très à fond sur leur bagnole, donc je sais pas si lui est de l'Ariège aussi, mais. Ah, il aime bien sa voiture ou pas, Marjorie? Non, il est toulousain. Non. Le rugby. Très bien, d'accord, ok. Bon, on y va, c'est parti. Record d'invincibilité pour le Stade Toulousain. Pas mal.
On parlera des sucettes encore après. Vas-y à Marjorie, dis-lui oui, mais c'est pour 30 services, tout ça, chauffe-le quoi. Allô ? Ok. Ça me va ? Mais qu'est-ce que tu m'appelles inconnu en plus là ? Attends, mais calme-toi. Mais qu'est-ce que tu me parles ? Je parle plus à toi, je te connais pas là, mais tu m'as pris pour un bouffon quoi, je crois que je suis un connard. Comment tu me parles ? Oh, calme-toi. Ton Michel qui me prend au téléphone, il s'appelle à queue, mais il s'est pris pour qui lui ? Après toi tu me rappelles tout gentil. Mais tu m'as pris vraiment pour un bouffon, moi je suis pas un abruti là, mais t'as rien ! Tu me prends pour qui là ? Il est là ton Michel ? Oui. Jamba, non, il n'est pas là. Jamba. Il est pas là. Peut-être qu'il veut que je lui parle. Je vais rester calme, je vais garder mes nerfs pour me défendre sur l'autre là. Sur le peut-être qu'il veut là. Que je lui parle moi. Ouais, je veux bien, ouais. Ouais, qu'est-ce que tu veux toi? Jamba, oh Jamba. Qu'est-ce qu'il veut Jamba, encore? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je l'aligne. En plus, il revient en plus, c'est ça le pire. Oh moi mais je écoute, dis ça, au moins c'était pour rendre service à Marjorie. Moi je veux pas non plus. Moi c'est Jamba. Juste qu'il est pas bon au lit, moi je veux le rendre bon, s'il bon, veut pas, oui, il veut pas. Hein. Mais Jamba, écoute. Ouais. Et en plus il me propose un plan A3, il faut arrêter de se regarder des films. Mais après, oui, ça. Mais attends, c'est bien un plan A3, je suis désolée. Ouais, c'est bien, mais tu feras ça sans moi. Hein. Ah bah mais en non. Tout cas, elle a bien les meilleures avec mon ami mais Robert. Jamba. Hein. Ouais, mais tu l'as laissé, moi j'en veux pas. Ah ouais, bah voilà, elle est bravo alors, elle est bravo. Jean-Baptiste, c'est pour t'améliorer. Tu l'as entendu, là, ce que tu dis, en plus, t'en bats les couilles de toi. Jean-Baptiste, pour t'améliorer. Pigougne. Mais arrête, mais t'as rajouté en plus, tu peux m'améliorer. Non, mais sérieux. Béta. Je vais essayer. Voilà, va te faire foutre, espèce de grosse conne, là. Je veux plus. Ça va pas sortir naturellement de ma bouche. Eh, Pigougne. Eh, Pigougne. T'entends parler de toi. Elle n'est pas captée, je recommence. Pourquoi ? Fini. Voilà, mais je fais un. Mais qu'est-ce qu'il rajoute, là, l'autre, encore derrière, là ? Il la rajoute. Mais tu vas voir, je vais venir te voir à toi. Je vais venir te voir. Oh, Pigougne ! Je vais te venir te voir. Alors, tu vas me donner son numéro et tu vas me donner son adresse. Mais Jean-Baptiste, c'est bon. Oui, oui, mais oh, non, mais Jean-Baptiste, oh. Et l'autre, il la rajoute encore. Qu'est-ce qu'il a gueulé ? Il est pas content, là. Oh, Jean-Baptiste ! Eh, reste calme, hein. Qu'est-ce qu'il veut avec son accent, l'autre ? T'as cru que quoi, là ? T'as vu ton accent et toi ? Et toi, t'es d'où, là ? Eh, moi, j'ai pas une équipe de rugby de pourri, hein. Non mais sérieux, il fout de ma gueule, il fout de Toulouse en plus. Hein, je me fous pas de Toulouse, mais vous savez pas jouer ni au foot ni au rugby, alors forcément. Peut-être pas au foot, mais au rugby, alors là, à mon avis, tu peux fermer ta gueule. Non, c'est pareil, hein, tous les deux, c'est la même chose, hein. Ouais, c'est ça, vous êtes au milieu de... Et en plus, t'es fier ou quoi que vous êtes habillé en rose, là ? On dirait un panthère. Ferme-la, mais ferme-la, t'as un de gueule, je peux pas te parler, t'es comme bouffon, et t'es un mytho, allez, ferme-la. C'est ça. Bon. Mais quand c'est toi, mon connard, on va te parler, allez. Oh, Jean-Baptiste ! Allez, ferme-la, Je vais t'exploser, ta gueule, oh. Ah, merde, il est parti. Marjorie il s'est raccroché au nez tout seul. Hein. Il n'a pas fait exprès, je crois. Je crois, ouais. Bon, Marjorie, on rappelle, d'accord ? Ok. Bon, dis-lui, voilà, je t'ai laissé un peu... Non, je vais l'appeler, moi, ça va être mieux. Je l'appelle. Allez, c'est parti. Je vais dire, ça va, tu t'es un petit peu reposé. Eh, hey, Roux, arrête de faire le marteau, là, derrière. Il y a le plombier chez toi. Ouais, enfin bon. Allô ? Ouais. Jean-Baptiste ? Ah bah encore toi, mais qu'est-ce qu'il y a, me casser les couilles ? Non mais c'est pour savoir si tu t'es calmé ou quoi ? Non mais je suis en route, là je suis en route, je suis dans la voiture, là j'arrive. Mais tu vas où ? C'est même pas où j'habite. Ah mais j'arrive, elle m'a dit que vous étiez en arrière, je me suis pas grave, je fais la route. Oui, enfin tu vas bien faire, tu vas faire le tour et après tu vas faire quoi ? Arrête d'en rajouter toujours et encore là, c'est bon, ça me casse les couilles, tu vas la prendre, t'as le son, t'inquiète pas, tu vas la prendre. Mais en même temps, on n'entend pas le bruit de la voiture, hein. Et puis après, tu iras voir ta mère, d'accord ? Non mais j'entends pas le bruit de la voiture, hein. Ah ouais, t'as pris le bout de la voiture, mais bientôt t'en aimeras tes dents tombées, connard. Tu peux klaxonner ou pas pour me prouver que t'es dans la voiture ? Non, je vais pas klaxonner pour toi, je fais rien pour toi. Ah, donc t'es pas dans la voiture, en fait, t'es un mytho. Ouais, ça va. Donc t'es un mauvais coup et t'es un mytho. Bouh, ouais, la honte. La honte, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Bon, je te repasse ta copine. Déjà, j'ai pas à parler avec toi. Oh, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. J'ai pas à parler avec toi. Jean-Baptiste, t'énerve pas. J'ai pas parlé avec toi déjà, alors ferme-la. T'énerve pas, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, t'énerve pas. J'ai pas parlé avec toi, je te dis, allez. Oh, mon pote. Eh, hey, mon copain. Non, mais je crois que je suis ton copain ou quoi. Eh, hey, copain. Pour un bouffon, t'as, non, mais sérieux, arrête un peu. Copain, t'énerve pas, copain. Oh. Ah, copain, mais il est fou, lui. Mais... On est amis, on se tape la même meuf, ça prouve, ça crée l'amitié. Allez, mais ferme-la, mais tu crois que c'est ça l'amitié, bouffon ? Mais oui ! Mais oui, c'est ça l'amitié ! Imagine avec ton espèce de vieille moustache, ça, tu dois être bien vilain. Hein, ah, j'ai pas de moustache, mais par contre j'ai une grande barbe. Ouais, t'as une grande barbe. Oui, ouais. J'ai une très grande barbe. Mais putain, tu dois être trop beau, mon quoi ? Bouffon. Ouais, tu dois être trop beau, ouais. Quoi ? Allez, ferme-la. Mais passe-moi Marjorie, j'ai pas à te parler, toi, déjà, allez ! Comment ? Tu dis que tu peux me passer Marjorie ! Ah, j'entends mal, hein.
Bon, allez, allô. Allez, ferme-la. Ah non, voilà. Allô. Ah Jean. Oh merde. Oui, j'ai trop. J'ai tiré sur la corde. La corde a lâché. Oui, bien sûr. Bon, on va lui dire la vérité là, le pauvre. Le pauvre. Ouais. Il a pas mérité ça. Oh Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Oh JB. Jean-Baptiste. Oh bon JB, calme-toi. Qu'est-ce que t'as à dire? Vas-y, bah vas-y, je me tais, je t'écoute, qu'est-ce que t'as à dire? Ok, bah t'es en direct à la radio sur Énergie, c'était une vanne. Ouais d'accord, ouais. Arrête de me prendre pour un con déjà. Mais non, mais... mais c'est pour ça qu'on l'a fait à vous là, déjà. Non, c'est quoi. Vrai, c'est vrai, Marjorie, dis-lui. Jean-Baptiste, c'est vrai. C'est quoi, c'est vrai? C'est l'émission Michael. T'es en direct à la radio, c'était le chéri, je t'ai fait cocu. Eh oui. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi ça, chéri, je t'ai... Non mais c'est un jeu à la radio sur Énergie. Vas-y, lance le jingle, vas-y. Bon, pas. Attends une seconde, Jack, vas-y, voilà. Ah ouais, mais alors tu m'as vraiment pris pour un con. Ouais, là ouais. Ah ouais, vous êtes bien tous marrés là. Ah ouais. On t'avoue, ouais. Je fais demi-tour alors, je monte à Paris, hein. D'accord. T'es pas arrivé. Bah viens chercher le cadeau si tu veux, ouais. Bon, Marjorie, je te passe ton mec maintenant qu'il est vénère, hein. Je te le laisse, hein. Ok, merci. Ah non, il est parti. Ouh, il est fâché. Il est fâché, tu crois? Je sais pas. Non. Non, tu crois juste un peu. Ouais, c'est bon, t'as gagné un cadeau, toi. Eh, ouais. Pourtant, y a pas de raison de s'énerver, François. C'est ça, voilà, il faut pas s'énerver, t'inquiète pas. Ah, on va te la faire avec ta meuf, ça tire bizarre. Ah, ça va être dur, hein, mais bon. Ouais, voilà. Mais à l'occasion, je vous préviendrai. Bien profiter. Ouais, un peu quand même, ouais. Bon, Marjorie. Oui. Je te repasse Jean-Baptiste, on va vous filer des cadeaux, antenne, tout ça, d'accord? Ok, merci beaucoup. Bon, allez, au Jean-Baptiste. Ah, Michel. Ouais. Allez, salut Jean-Baptiste. Hein, et vive Toulouse. Ouais, ouais, ok. Allez, salut Jean-Baptiste. Ciao. Oh, il était bon esprit. Ouais. Ah, il était bon esprit. Il était... Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein, ouais. Bon, il était bon esprit. Et Michael. Michael, l'émission sans interdit, tous les soirs 21h minuit. Et quand tu veux, en podcast sur énergie.fr.